Comme ça s'arrête à chaque fois aux missions, je trouve que c'est mieux. Ouais, il a un peu de mal avec le chargeur. Ok, comme ça on va reprendre direct sur une nouvelle mission, le dernier homme sur Terre. Comme ça il y aura quasiment une mission par vidéo à part la toute première où il y en a deux. Et bah mine de rien je suis quand même en facile et bah c'est pas si facile que ça. Il y a de la durée de vie. Ça, je trouve que c'est bien. Non, mais arrêtez avec vos fusils à pompe. Je vous ai dit que j'aimais pas ça, moi. Pour lui. Ça, j'aime par contre. Là, d'accord. Ah, bah, même pas. De toute façon, je suis full, ouais. Alors, ça. Ça, j'avais 100 de plus. Voilà. Et vous aviez été cool avec moi. Ça, je sens les macaques. Ouais, je m'en doutais. Mais ouais, gueule de moche, venez ici. Allez, balle trap. Merde, je t'ai raté, t'as de la chance. Et... de petit enfoiré de macaque. T'es pas con ces petits macaques quand même. Et merde, il est tombé. Mongoloïde. Pourquoi t'es tombé? Ok. On s'est débarrassé des macaques de la première salle. On va récupérer un peu de vie. Des balles. Imhotep, la famille, comment ça va? Alors à gauche. Je sais pas si c'était le seul chemin. Dans la grande pyramide. Il y a un autre chemin là-bas. Je dirais que oui. On a la même chose. Que nous prépare-t-on? Pardon, je ne voulais pas. J'ai raté quelque chose là. Ça, c'est le début. Qu'est-ce que je n'ai point vu? Il y a peut-être plusieurs entrées aussi, donc. Voilà. Qu'est-ce que ça va faire? Ah non.
faire venir les macaques par pagaille. Calme-toi bien. Oh. Bien, je croyais qu'ils étaient des vieux revivants. Ouais. Ok, ça c'est bon. Chut. Alors, à quoi ça sert tout ça? À part faire venir des macaques. Ah non, mais pas des clébards. S'il vous plaît. Ça, c'est pour m'avoir touché. Et ils ont souillé mon arme avec leur sang. Petit enfoiré. Il y en a un au fond. Peut-être le dernier. Sérieux? Ici, il n'y a pas de levier. Donc, dans mon service est levier. Celui-là, on l'a utilisé. Alors, si on réfléchit. Celui-là, ouais, c'est ça. Les mecs ils pop et ils font pop avec un levier plein de sang. C'est assez bizarre comme truc. Tu passes tout à l'heure, il n'y a rien. Là, il y a un levier qui apparaît avec des mobs. Qu'est-ce qui se cache là-dedans? Aller chercher des balles. Là, ça vaut le coup d'en prendre. Un peu de vie. Tu vas bouger, toi, t'es sûr? Fais gaffe. Bon, alors, si ça n'a rien ouvert, il reste le couloir ici. Couloir, c'est ouvert. C'est quoi ce bordel? Waouh, c'est quoi ces trucs? Ah d'accord, je comprends pourquoi on nous a donné de la fusée. Rigoler, c'était pour déconner les gars. Non mais arrêtez de tirer, c'était pour déconner. Oups.
Wow. On a chargé des balles de fusée. Bon bah finalement tout ça nous sert. Ils sont encore combien là-dedans dans ces conneries? Et c'était le dernier. Dès que je vois des pylônes maintenant, des colonnes, ça me fait penser aux macaques. Plus aucune confiance. Ça c'est jamais bon signe. C'est le genre de jeu où tu laisses sortir plein de trucs immondes. Ok, ça nous a ouvert ça. J'imagine là où j'ai fait un carnage. Alors la porte est fermée. Il y a un levier. Un gros truc va sortir. Pour l'instant, ça reste correct. J'aime pas trop tous vos bruitages. Ça veut dire que l'ambiance est bien retranscrite parce que c'est assez prenant. Calme-toi bien. Quelle musique inquiétante. Alors, est-ce que c'est une porte? Peut-être qu'il faudra revenir en arrière. Oh putain, Indiana Jones. Bon, bah voilà ce qui va me défoncer la porte. La question d'habitude, hein, une fois qu'on a suivi Indiana Jones. Ah, il nous manque le boulet de canon, tiens. Macaque. Oh putain, t'as mangé. Ah bah en plus, t'es venu tout seul. Allez, continuons la visite de la pyramide. Pas tous les jours qu'on peut se promener là-dedans comme on veut. Ouais. D'accord, ouais. Ouais, je me doutais que ça passait pas. Ah, mais il y a un levier. D'accord. Je me disais un seul macaque. C'est pas possible. Ah, ils vont tourner. Putain de saloperie. Oh. Par contre, il y avait une porte en face. Quoique non, c'est là où j'ai été. Je suis monté, on va prendre les piliers qui se sont tournés. Accélérons un peu le pas. Ah putain, il y a du temps.
D'accord. Allez. Ah, faut que j'attende qu'il soit complètement remis. Ah, ça a l'air d'être bon. Go, go, go. On est bon. Un nouveau passage. Et visitons les entrailles. Oh, de l'extérieur. Ça, j'aime. Ah, bah, on a retrouvé notre pilote. À moins que ce soit l'équipe Charlie. Et une oreillette. Cool. HQ, do you read me? This is HQ. Sam? Is that you? You're alive? Hellfire? What's going on over there? Sneak attack. They came out of nowhere. We can't hold out long. Fuck you! They're coming out of the goddamn walls! Quinn's dead! Charlie's team is out of commission! It's last stand time! Find a safe place and hole up. If anyone survives, we'll find you. Shit! Hellfire! Hellfire! Over? Oh, it's not over until I teabag every last one of you alien motherfuckers. Huh? He tries to moon me? I'll shoot his ass off and hang it on my wall. See you in 3000 BC, bitch. I'm heading for the time lock. Ouais, Run Beach. Ça, je suis bien d'accord. On a explosé son petit cul. Et donc, ouais, on sait pas si Hellfire elle a survécu ou pas, que de suspense. Eh ouais. Oh, de l'histoire au rebondissement. Bon, déjà, on nous fait le plein. Moi, je dis, on va partir sur la mitrailleuse pour commencer. Non, en fait, non. Fusil à pompe. C'était très très bien. Vous aime pas, bande de saloperies. Ouais, qu'on s'était mis d'accord là-dessus. Alors par contre, j'ai vu un truc volant là-bas. Ah, de l'action. C'est vrai qu'on en a manqué un peu. Il m'a fait un petit pas chasser lui. Je crois que je l'ai pas vu. Tu m'as pas vu. Ah non, en fait c'est la lune, c'est bon.
Ah, c'est toi qui queen. D'accord. Énervé. Ah, il y a la raclure qui est dans mon dos. Quelle est cette conne? La voilà. Et merde, elle a pop derrière. Faut que je la bute là. Voilà, merci d'être passé, ce fut sympa. On vous rappellera. Il est où le lanceur de missiles? Sérieusement quoi. On prie pour un bisounours. Voilà. Des PV. Fusée, on a plus besoin. TG toi. Faut pas que j'étais en train de bosser. De bosser tranquillement dans ce jeu. Je suis en mission, moi. Je suis pas là pour faire des câlins. On dirait que j'ai fait le ménage. Ok. Survivant. Chut. T'excites pas trop. Comment on va là-bas? Salut, c'est moi, je viens pour passer coup de balai.
ça me fait hachement plaisir de vous hacher menu. Balles de mitrailleuse, on en a besoin. Il faudrait des balles de minigun aussi. Ah, par contre, j'ai l'impression qu'on a déjà vu un peu ce style. Oh. Ah ouais, t'as me tiré dans le dos, le mec. On me doit rien. Mais cette pop là. Bon, en même temps, les mecs, c'est des extraterrestres, se sont dit on a trouvé un bon plan. On peut faire pop les gens quand on veut. Où est-ce qu'il a pop ce type? Allez, il a pop dans la salle d'à côté. La vie, on est full. Qu'est-ce qu'on va nous proposer ici? Bah en fait on l'a déjà vu. Quoique, non. Cool, on peut gratter comme ça par un. Ça c'est intéressant. On va gratter maintenant. Bon bah la sortie c'est l'extérieur. Hein. Donc par là-bas. Parce qu'on veut dire on s'en doutait un peu. Balle de minigun, showrunner. Bien pour faire le ménage, ça balait bien. La vie personnelle. Mais genre là-dessus, la vie te régène. ça c'est bien. Ça on est full. Faut se faire chier. Wow. Alors calmez-vous bien.
super excité le mec. Alors il me semblait qu'il en restait un. Ouais. Voilà. On discute, on peut s'arranger. Ah putain, mais encore la mégère. Qu'elle va pop cette conne. Oh putain, il y en a deux. Eh merde, celle-là, c'est celle que j'ai pas encore entamée. Allez, une en moins. Et deux en moins. Putain, m'ont fumé les balles. Moi aussi, je suis utilisé. Putain, on a plus de balles. De grognasse. Oh, j'avais oublié ce truc. Oh, ça, ça veut dire que ça va être rude. C'est que mon avis personnel. Mais je trouve qu'on m'en donne un peu trop. Qu'est-ce qu'on m'envoie? Les barres. Mieux pour qu'on m'a lâché des balles de fièvre. Mais alors, où est-ce qu'on en est? Ah, je me suis raté.
Putain, mais j'en avais un dans le dos. Putain de retardataire. Eh merde, j'ai plus de balles. Toujours des retardataires dans ce jeu. Et une clé là. La clé de Ramassum. Pourquoi elle ramasse pas ? Me disait. Fous de ma gueule le jeu. Ramasse pas l'armure. Ah mais si j'ai la clé, ça doit ouvrir la porte de l'autre côté. Ah putain, encore une grognasse. Arrête de lâcher tes pouvoirs comme ça. Me prends pas la tête. Allez, encore une fois. Donc ça doit être pour ici. Du bien, ça m'aurait vachement lui ici. Allez, de l'armure, de la vie, des balles, donnez-moi tout ce que vous avez. Alors là-bas, ça pue le vieux désert moisi. Là, il y a un truc violet. Jerrycan. Je connais ce bruit aussi. En fait, ils ont essayé de me suivre. Bande de petits cons. Oh putain. Les petits cons. Non mais genre les mecs ils attendent dans leur coin.
T'es en train de me faire allumer. C'est des grands malades. Bon, on m'a dit plus de place pour les jerrycans. Ça veut dire que j'ai le droit de repartir en voiture. Me péter la gueule, espèce de terroriste. Wheels, that should come in handy. Bon bah moi je dis on va essayer d'aller à la voiture. Peut-être ça ce qu'il faut faire, j'en sais rien. Faut que ça m'ait l'air, non ça a l'air bidon, j'ai l'air tout défoncé. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? J'avoue que je ne capte pas. Je vois même pas d'où je suis arrivé. C'est ça qui est grave. Bon, pour l'instant il n'y a plus de bruit, bah c'est parler trop vite. Bon, j'ai ramassé 3 jerrycans, qu'est-ce que je peux en faire?
saleté de clébard. Allez. Heureux les petits clébards. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse dans le coin? Ça me dit toujours pas. Allez, bien quelque chose que j'ai pas vu. Secret des balles de minigun. Suivre leur pop, je le sens pas aller dans le désert. Le désert, je vais me faire choper par un gros sable, le gros vert. Ouais, ça c'est ce que ça veut dire, par toi. Et ouais, carrément, il est là. Genre je vais pas buter au cac. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse? Tiens, j'ai peut-être pas été par là. Une sorte de cité antique. On va essayer d'y aller. On y va. Super bizarre. Ah, j'ai vu une porte. J'essaie d'y aller. Par là peut-être. Je suis là, mec. C'est ça que je voulais à la base. Ben mais non, je suis arrivé de là. Je ne sais plus. Je suis perturbé. J'ai laissé plein de trucs. Ah ouais, je viens de là, moi. Il me semble.
me paraît logique. On est arrivé dans une sorte de bled pourri. Franchement, le désert me semble pas être une bonne issue. On nous a fait ramasser des jerrycans. Ça, c'est la question à 20 000 $. Des mobs à profusion, mais quel en serait l'intérêt? Si je vais par là, je vais me faire râper. Là-bas, il y a une oasis, on y a été. Il y a bien quelque chose ici que j'ai pas vu. Où nous a-t-on donné ces jerrycans? Le feu. J'ai les vaches. Ça me l'entend. Où est-ce qu'elle se cache la suite? Ouais, j'avais bien entendu. Ça me dit pas où je dois aller. Ouais, non, c'est une poubelle. Je croyais qu'il y avait un mec. Ah, rien de grave. Bon, il y a bien quelque chose que j'ai raté. En plus de tout ce butin. Essayer d'aller sur un toit. Meilleur champ de vision. Putain, pour les affronter ici, c'est pas le top. Je sais pas, ils cassent des murs. Peut-être qu'ils vont finir par m'ouvrir quelque chose. On en revient toujours ici. Hein. Il y a bien quelque chose que j'ai pas vu. Par ici. Et du désert à perte de vue. Là, y a rien. Et mince alors. Corps grisé, caqué. Bon alors,
pas ce bordel. J'ai fait un milliard de fois le tour du truc. À part des spawns de mobs, je ne vois pas. Ouais, ils veulent que je prenne une bagnole, dites-le moi. Faites-moi un signe. Et là, je vois que des débris. Des vieilles carcasses moisies. J'ai l'impression qu'on peut monter. Comment je peux monter? Ah ouais, il y a des trucs verts, je sais pas ce que c'est. Ah bah c'est l'électricité. C'est un secret. Oups. On peut monter sur certaines maisons. Et alors nous on vient de là-bas. Et je vois rien de particulier. Entrer là-dedans. Ça se fait pas de bloquer les gens comme ça. Alors là-bas, il y a quoi? Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une énorme cité là-bas. Comment on peut y aller? Y a rien en fait. Oh, c'est ça. Je vais finir par me faire manger. Et ouais. Donc on n'a pas le droit d'aller là. J'espère que ça va sauvegarder. Bah le secret que j'ai trouvé, ça me servira pas à grand chose. Putain, faut tous retaper. Ça, ça déconne par contre. Et le plan Z. Mon général. Ah putain, va falloir se retaper tous les petits châteaux. Ah non. Ça, je suis pas fan. Il a pas sauté lui. On a quand même une petite musique d'ambiance pour nous tenir en haleine.
Fallait pas m'emmerder. Quoi des roues, ça devrait servir. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est ça qui va faire cramer? Mais l'homme. Non mais calmez-vous bien. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut réparer une voiture lui ou quoi? Il m'a pris pour un garagiste. Une petite indication aurait été la bienvenue ici. Ah mais vas-y tais-toi, attends. Pour moi la paix. Ouais, on va se retaper tous les chiens. Ouais, en plus faut se retaper tous les petits secrets. Et toi donc. Casse-cou, vieux. Pour nous accompagner. Mirifique. Bon, on est revenu au point de départ. Je sais toujours pas ce qu'il veut faire avec ses jerrycans. Et là on va se taper tous les chiens de l'enfer. Là, je prends. Ok, on doit être bon. Je récupère les fusées aussi. Que veut-il faire avec ce petit jerrycan? Là il m'a dit j'en ai trop. Enfin, je peux pas porter plus d'un jerrycan. Comment je m'en débarrasse?
Il doit bien y avoir un truc à faire avec. Pas vu un truc à utiliser, j'ai vraiment raté quelque chose. Et si je peux pas en prendre plus d'un, ça veut dire qu'il doit y en avoir, on doit tous peut-être les prendre. Où est-ce qu'ils veulent que je ramène ça? Peut-être que là-bas vers le début. C'est peut-être un truc que j'ai pas fait gaffe. Un moyen de transport, quelque chose. Ça c'est une poubelle. Alors franchement. Ils m'ont pas barré la route en arrière, donc il y a peut-être quelque chose là-bas. Allons voir ça. Jetons un œil. Pédale. Si on peut pas. Nous on vient de là. Merde alors. Que veulent-ils que je fasse avec ce jerrycan? Ça j'aime. Bien, comment perdre du temps hein, pour rien. Ils me disent bien, tu ne peux pas porter plus d'un jerrycan. Là, je suis d'accord. La question c'est celui que j'ai sur moi, il veut que j'en fasse quoi? Il y a des mecs qui gueulent. Normalement, un mec qui s'est paumé dans le désert. C'est la musique, l'espace d'un instant quoi. Casser la monotonie. Ben, c'est ça que je voulais, non? Non. Glug, glug, motherfucker. Damn. Looks like I'm gonna need some more. Mais qu'est-ce qu'il veut? Ah mais ça y est, il l'a mis dans la vieille bagnole là. Il est sérieux? Ce serait ça qu'il aurait fait? Et puis ça sauvegardait. Elle est où son épave? J'ai même pas fait gaffe moi. C'est une épave dans le coin. C'est celle-là. Ah oui, il veut vraiment se barrer avec ça. Eh ouais. Ok, 2 sur 8. Eh ouais, putain, mongoloïde. Bon bah. Allons-y hein.
important, je pensais être passé à côté de toutes les bagnoles. La jerrycan. Ah là là. Ouch. Donc c'est la voiture à côté des fusées. 3 sur 8. Le mec il m'attend à l'envers. Ah putain, un hélicopoule. Bon, l'avantage c'est que ça sauvegarde toujours. Là il y en a un en plein milieu. Là il y a un mec qui gueule. Ah ouais, non mais là il rigole pas. Il y a la barbare. Chut, fais pas du mal. Putain, mais je suis taré. Alors, où est-ce qu'il est le jerrycan suivant? Je crois qu'on est à quoi? 4 sur 8, il me semble. J'en ai vu un par là. Vers le milieu, normalement. Là. Où est-ce qu'elle est ma poubelle? Par ici. Ça fait un peu barbare. Pour des araignées. Pas grave. Pas du genre à me déranger. Non mais les putains d'araignées là. Allez vous faire mettre. Ah ouais, je savais que ça sentait le gros ça. Allez, jerrycan suivant. PV.
l'ai entendu, petit con. Ah, mais je sais qu'il y a des PV, j'allais dire à l'entrée, mais bien sûr. Sonner, hein. Ouais, saleté d'araignée. Là, normalement, j'en ai laissé la blinde. Voilà. Ok. Monte 3 jerrycans. Là-bas, il y a de l'armure, j'entends de l'araignée, il y a de la fusée. Oups. Et maintenant, je vais plus les trouver, les jerrycans. Un hélico poulpe que j'entends. Ah non, putain, c'est des enfoirés. Alors jerrycan, est-ce que tu te caches? Là j'en ai un. Il y en a un deuxième là-bas. Ok. Et le dernier il est là. Ah non, il y a des grognasses. Lâche-moi. Faudrait que je me débarrasse au moins d'elle. Elle va me saouler. Alors, les deux autres, ils étaient là-bas. Alors, fonce. Et où est-ce qu'il est le dernier? Là, ici. Ok. Quasiment à côté. Alors le dernier il est là quelque part. Merde, alors il est où ce con? Je le voyais de là où j'étais.
Pire, je sais ce que je vais faire. Ah, je l'ai. Je viens d'en voir un. Voilà. Où est-ce qu'elle est la voiture? Ouais, je vais faire le plein. Go, go, go. Putain, j'aurais traîné sur ce passage. Et quand on a fait le plein, qu'est-ce qui se passe? Putain, mais il va prendre cette poubelle, sérieux? Ouais, fucking louia. Putain, j'aurais galéré. Quoi qu'il disait 50 minutes. Mais 1h02, putain, j'aurais pu faire en dessous des 50 pour celle-ci, pour une fois. Voilà, donc il reste le gardien du temps, le dernier boss. Alors, je ne sais même pas si c'est une mission ou si c'est direct le boss. C'est une bonne question. Nous le saurons dans la prochaine vidéo. Que de suspense.